Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Horizon, évidemment Forbidden West, Horizon 2, comme d'habitude 4K, 60 FPS au minimum. Mais on se retrouve pour la suite de notre aventure. On devait aller à Mélopé. Quelle ville les amis, quelle ville? Non, je crois qu'on n'y a jamais été. Donc on va découvrir ça, oui. On va découvrir Mélopé. Mais ça a l'air d'être une très grande ville hein, par contre pour le coup. Il y a un petit feu de camp, il y a un établi et tout. Ça a l'air pas trop dégueu. Niveau quête secondaire, on a fait tout ce qu'on avait à faire jusqu'ici. On a fait le premier creuset, bref, on est très très bien. Et pourtant, on est à l'épisode 21, on est qu'au début du jeu, littéralement, on est au début du jeu, donc il est temps de découvrir un petit peu ce qui nous attend. Ce sera comme ça partout. Waouh. Ok, laboureur. Ah mais il y a des gens, wesh. Bon. Enfin, attends, mais il y a des gens et tout. Mais attends, mais c'est un champ. Un champ dans la moisissure. C'est triste. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez-moi ce détail. Oh là là. Eh, épisode 21, on en prend encore plein la gueule. On en prend encore plein la gueule. Tellement beau. Comment tu peux dire que ce jeu n'est pas magnifique? Regardez. On peut dire ce qu'on veut, chaque paysage, sachant que c'est un open world, on y va. Tout là-haut, là. On y va si on veut, c'est ça qui est ouf, en fait. C'est tellement impressionnant. Franchement, mais giga, giga respect, évidemment, aux développeurs, aux créateurs de ce jeu-là. C'est juste exceptionnel. Je rappelle que d'ailleurs, les créateurs sont tout simplement ceux qui ont aussi fait Killzone, hein, Killzone 1 et Killzone 2, évidemment. Voilà, on est à Mélopé. Et ils sont entourés de pourriture. On va aller prendre toutes les quêtes secondaires. Toi-même, tu sais. C'est parti. Une alors étrangère à Mélopé. Je te conseille d'écouter ça. Un petit avertissement. Évite les ruines au nord-ouest de Mélopé. Des éclaireurs affirment que quelque chose illumine les ruines la nuit tombée. Quoi que ce soit, ça ne doit pas être naturel. Ah, d'accord. Ok. Ruines de reliques. Ça pourrait être une technologie antique. Ça vaut le coup d'aller voir. On va faire le tour. Donc je suppose que là-dedans, c'est le village principal, j'ai envie de vous dire. Oh, on a un tailleur de tenue. Très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, on a encore des quêtes secondaires. Ça a l'air assez grand. On va faire une petite visite hein, grossière. Mais on va y venir à force de faire les quêtes secondaires. Évidemment. Ok, c'est à 40 mètres, c'est bon. Et là, 34 mètres, mais c'est incroyable, ça ne s'arrête pas. 75 mètres, 34 mètres. Mais c'est où, attendez. Effectivement, le point ne fait que tourner. Attends, mais what? Ah, c'est tout en haut. Bah dites donc. Allez, bon bah je suppose que littéralement tout est à l'intérieur. Donc on va y aller. C'est tout en haut, ouais. Ok. Ok, je me disais c'était bizarre un petit peu, tu vois. Mais en fait pas trop. Allez, déjà on va parler à Zo. Je suis là, comme promis. Cette chanson, ça veut dire que le cœur est prêt? Il s'est assemblé. Je n'y serais pas arrivé sans Varl. Et je ne sais pas si ce sera utile. Le cœur ne semble pas accordé. La situation à la grotte est déjà tendue. Le dieu Fa n'est toujours pas ressorti. Et tous les jours, d'autres machines tueuses tentent de sortir de force en se jetant sur le cordon défensif que nous avons placé à l'entrée. Mais ce n'est que la première de nombreuses fausses notes. Ta demande a mis en évidence de grandes divisions au sein même du cœur et de la tribu. Tu dis que tu n'aurais pas pu réunir le cœur sans lui. Tu as fait quoi? Des membres du cœur ont refusé de venir débattre de ta demande. Ils estiment que la grotte n'appartient qu'aux dieux. Mais Varl s'est dit que ce que tu as fait à Ré pourrait
nous être profitable. Parfois, demander aux dirigeants ne suffit pas. Il faut le soutien d'autres gens. De beaucoup de gens. On a raconté aux autres ce que tu as fait pour Ray. Et peut-être un peu exagéré les choses. L'intérêt des gens a fait pression sur le cœur. Et ils ont accepté de se réunir. Ça a marché quelquefois sur les matriarches. Et même avec ma mère. Une fois ou deux. Bien joué. Tes talents en politique nous seront utiles. Oh non. On aura toujours besoin de toi et de tes talents spéciaux. Bon. Le cœur est assemblé. Et maintenant ? Ils étudient ta demande. Donc, on doit aller leur parler ? Quand tu seras prête. Mais ne t'inquiète pas. Ils vont en débattre pendant un moment. Ce genre de réunion peut durer des jours. Très bien. Alors je devrais peut-être me ravitailler. Qui sait combien de machines traînent dans cette grotte ? En admettant que le cœur t'autorise à y entrer. Aloy peut être très convaincante dans ce genre de discussion. On verra bien. Tu peux prendre ton temps. On t'attendra plus haut, là où le cœur s'est rassemblé. Ok. Bon. Bah écoutez, on va prendre toutes les quêtes. Ah mais c'est une chorale ! Mais trop bien, mec ! Je croyais que c'était la musique du jeu, mais putain, s'ils font ça toute la journée, ça doit être chiant. On va prendre toutes les quêtes secondaires, évidemment. Oh, Sugoi l'établit, Sugoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? Ouais, mais moi, c'est ça que je veux. Je veux cela. Il faut des os de lapin, de pécari, des peaux de lapin, lézard à cornes. Très bien, très très bien. D'écureuil. Bon, en gros, il me faut des os d'un peu de tout. Hein. Plume de vautour. Chien de prairie. J'en ai pas vu un seul. Et de pécari, encore une fois. Je crois que ma tenue, j'étais à deux doigts de débloquer quelque chose, non, me semble-t-il. Attendez, bougez pas. Ouais, je peux débloquer quelque chose et avoir un nouvel emplacement. Ça serait pas mal. Même pas, non. Ramure de corne sable, mais c'est terrible. C'est terrible tout ce qu'il faut. Bon, bah écoutez, en vrai, on va pas forcer. Hein. On va pas forcer. Ouais, et là, il me faut coq d'écho de tunnelier. On va pas forcer. Non, que rasoir, j'ai rien. Écoutez, c'est pas grave, tempi. Alors, les rumeurs disaient vrai. Tu dois être la guerrière qui a vaincu le champion de Regala et qui a entraîné cet endroit dans une révolte. Qu'est-ce qu'une Ténac fait à Mélopée ? Je me ravitaille avant d'aller à la zone de chasse. Tu devrais y aller, c'est au nord-ouest d'ici. Je suis sûre qu'une guerrière coriace comme toi réussirait les épreuves. Pourquoi pas ? Je t'y verrai peut-être. Ok, nouvelle zone de chasse, Mélopée. Très bien ça. Vous avez vu, on n'avait pas vu encore de terrain d'entraînement et tutti quanti, hein, pour le moment. Alors peut-être que ça va se faire en haut, mais il me semble que si on a les médailles d'or sur chaque terrain d'entraînement, ça peut être soit gay. Ok, c'est un peu sombre là les gars ici. Oh, quoique ça va en vrai. En vrai, c'est jouable. Ok, c'est où encore cette connerie là? Attends, encore là-haut? Frère, comment t'es monté là-haut? T'es un forceur. Attendez, matez, oh là 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 là, matez ça les gars, matez ça, exceptionnel. Ok, il faut encore monter. Alors excusez-moi, j'ai pas envie de vous marcher dessus, mais partez par contre. Par où monter? Bah par ici. Ok, très bien. Allez, on va prendre l'autre quête secondaire. Oh, qu'est-ce que c'est? Une source, un bain. Pitié! Le cœur refuse de me recevoir, je sais plus quoi faire. Tu peux déjà commencer par me dire ce qui se passe. Je viens de Cantilène, au nord. Il y a quelques jours, j'ai été réveillée par les cris de mes voisins attaqués par les Ténac. Ce n'étaient que des éclaireurs, mais on a eu du mal à les repousser. Et s'ils lancent un véritable assaut, on n'aura aucune chance. On n'est pas des combattants. Je croyais que le cœur nous aiderait. Je croyais que nous étions tous nés de la même terre. Mais il semblerait que seule une étrangère soit prête à m'écouter. Est-ce qu'on peut espérer que tu acceptes d'être à nos côtés pour ce combat ?
Si jamais je vais dans le nord, je passerai voir ton peuple. Je ne demande rien de plus. Quand tu arriveras au village, cherche Q. Il est en charge de nos défenses. Ok. Bon bah écoutez, ça c'est pour régler une petite bagarre, évidemment. Ah, un cuisinier, très bien. Qu'est-ce qu'il veut celui-ci? Il veut quoi, Yves, déjà? Je savais pas si t'allais passer. T'en penses quoi de Mélopé? C'est impressionnant. C'est vrai. Tant qu'on supporte l'odeur du fumier. Ah oui, c'était l'esclave. Bah, sinon, t'inquiète pas. J'irai plus me balader, je te le promets. On a besoin de moi. D'autres victimes de l'éclipse ont vécu pire que moi. Vraiment pire. Fais ce que tu peux pour eux, Yves. Ça marche. Ce sera bien loin de tes prouesses, mais je ferai de mon mieux. Ok. Une simple curiosité, on ne sait jamais. Écoutez, sur un malentendu, il y a une dingue là-haut, non? Il n'y a rien mis à part un décor. Oh là là, c'est tellement fou les potes qu'on voit. Tellement fou. Eh bien, écoutez, on peut partir. Allez. Oh, ça réveille. Allez. Fin du cœur, retour à la réalité. Je vois que la chanson se poursuit. Donc ça veut dire que le cœur débat encore? Les gens chantent pour apaiser le cœur, surmonter leurs différends. Ce ne serait pas nécessaire s'ils étaient en harmonie. Je vais pas devoir chanter, dis-moi. Bien sûr que non. La chanson prendra fin quand on se présentera. Tu es prête? Vrai oui, hein? Très bien, allons leur parler. Parle. Votre grotte sacrée, elle renferme quelque chose dont j'ai besoin. Si je le récupère, Joe, ça va... et le Nora nous ont raconté ton parcours et ce que tu cherches. Il n'y a aucun esprit dans la grotte, hormis Fa, notre dieu de la terre, qui est entré pour ne jamais ressortir. Le pouvoir des dieux de la terre est défaillant. Nous sommes condamnés. Ces histoires d'esprit ne nous sauveront pas. C'est la fin. Nous fanons, mourons et fertilisons la terre pour créer la vie. Ceci est l'ordre naturel des choses. Mais vous voulez vraiment vous laisser mourir et finir en nourriture pour les vers? Littéralement? Des mots d'une étrangère qui fait litière de nos coutumes. De grâce. Elle a apaisé Ré, je vous le rappelle. Écoutez-la. Tu as déjà fait preuve de témérité auparavant, Zo. Mais n'oublions pas que tu as tout fait pour mener une guerre risquée contre les Garjas. Elle, au moins, elle essaie d'aider. Ah oui. En t'invitant à enfreindre nos coutumes. Devrions-nous changer nos us pour complaire à chaque étranger impudent qui s'aventure dans Mélopée? Non. Vous devez les changer parce que vos propres terres menacent de vous tuer. Nous avons regardé, sans rien faire, nos dieux de la terre périclités. Vous voudriez qu'on fasse de même avec nos voisins? Nos enfants? Et cette étrangère nous sauverait à elle seule. À
absurde. Sachez qu'une seule graine est impuissante face au cycle infini de la vie et de la mort. Une alarme! Elle provient des montagnes! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça venait des défenses? C'est une alarme! Les machines ont dû percer nos défenses. Alors on doit y aller. Que fait-on pour le cœur? Si nos défenses sont tombées, plus rien ne peut nous empêcher d'entrer dans la grotte. On va pouvoir se passer de permission. Alors en route. T'aurais dû planer, Aloy! Plane, bordel! Par la portée, on contourne. Ok, allez, c'est parti pour la suite. Ça, c'est bon, ça. Ça, là, on part sur un épisode hardcore, je te le dis, mon petit pote. Ça va être insane, je pense. Dans les champs. Ça, je pense, c'est jamais. Il y a des machines partout. Du haricot sauvage, ok. Oui. Ok. Tu es l'étrangère. Présence Mona, je te reconnais. Ces machines n'ont pas l'air normales. Déjà vu ce genre de machine. Très bien. Et tu as déjà su. Elle doit venir du portail. Les autres vont chercher Mélopée. Il faut qu'on y aille. De quoi? Hop, c'est pour moi sa pichette, hein. Allez, va aider quelqu'un d'autre, hein. C'est pour moi, tu diras rien à personne. Très bien, bon. Vraiment qu'on peut faire quelque chose contre tout ça? Si je me trompe pas, oui. Eh ben, on espère que tu te trompes pas. Ok. Ok, ok. Ok, attends. Je peux peut-être aller par derrière, faire un petit coup de Trafalgar en mode on est les fous, l'équipe est au canon. Ok. Ça, on prend. Ça, on prend. La pierre, on en a assez. Notre tout machine. Ça, on prend. Ça, parce que ça va permettre de construire en Mars. Ok. Ces machines sont plus fortes et plus dangereuses pour les autres. Il n'y a pas que Minerve et un dieu de la Terre dans cette grotte. Oh non, un mort! Il est mort tellement vite! Il est mort tellement vite, il a même pas eu sa seconde de gloire! Un autre mort! Non, les gars! Ok, bougez pas. Oh merde, on peut pas le fouiller, ça aurait été trop facile! Qu'ils aient offert autant de mécas gratuits! Bon! Bah, c'est la merde! C'est la merde, tout simplement. C'est la merde, c'est la merde. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on Cette attend? Piste est le chemin des dieux de la Terre. Il nous mènera au cordon. Ok. Ça me plaît! J'aime bien! Ah, il y a un mec qui court là. Il y a beaucoup Notre de gens machine. Qui courent. On peut l'éteindre, Aloy. On te suit. Ah. Ok, regardez. Ok, ça. Ok. Wow. Wow. Elle fait des cascades, j'ai jamais vu ça, frère. Non, il me faut cette pièce sur son dos. Oh non, c'est pas vrai. Parti. Quoi? Déjà plus. Wow. Mort. Ok, ça en fout, il y a rien à péter. Wouh. Hop 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 hop, petit lascar. Je te connais, toi. Je sais ce que tu recherches. Et tu ne mourras pas comme ça.
Tu ne mourras pas, te dis-je. Bien, ouais, je sais pas s'il m'a touché, hein. Mort ? Mort dans le filou ? Toi. Ok, bien, ouais. Mort. Oh non, j'y croyais. Je me suis trop avancé. Mort. Mais c'est pas vrai! T'as emmené ton père à l'école ou quoi, toi? T'as emmené ton daron, c'est Robocop! Mais arrête, toi aussi! Et il est coriace, hein, le petit, hein. Allez! Chiche! On a eu toutes les machines. Je te suis. Oui, bah vous allez attendre un petit peu, s'il vous plaît, que je me refasse au calme. C'est terrible, là, oh. Allez, ça on prend, tout ça on prend. Eh bébé, c'était pas facile, hein. Mais on a vu des moments plus difficiles, hein. Ok. Ça c'est bien, ça, je crois, il faut prendre. Des radars de Charonia. Et toi, toi t'as déjà été fouillé, toi. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Pourquoi? On peut lui parler? Ah, je peux lui parler. Non? Pour lui dire quoi? Héros? On peut se parler, toi et moi? Bon, allez, dégage. Dégage, je suis massoulé. Ok. Allez, go. On continue. La bourse est pleine, mais j'ai de la place dans mon sac. Non, non, la bourse n'est pas pleine, petite. La bourse est clairement pas pleine. Oh, ça on prend. Ça on prend. Ça on prend aussi. On loupe rien, les bichettes. On loupe rien, je vous le dis. Ça on prend. Ouais, mon arc, il va falloir vraiment que je trouve un arc qui tabasse. Va vraiment. Je suis peut-être parti un tout petit peu trop tôt. J'avoue que je voulais qu'on avance dans l'histoire principale, 21ème épisode, mais. On y est presque. Ah, tu vois ce que je veux dire. Réussi à passer. Qu'est-ce qui t'est arrivé au garde du cordon? Il faut qu'on se tienne sur nos gardes. Quoi? Ok, bon. Bah alors, bien joué. Mec, t'as été monstrueux, je sais pas ce que tu lui as fait, mais... Ça a été insane. Putain, on va où là? Attends, on est où, frérot, là? Oh! La vache! Oh là, quand je vois... Oh, 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 oh. Les amis, l'aventure la plus longue au monde. Il va y avoir 4 milliards d'épisodes, j'espère vraiment que vous êtes bien en ma compagnie. Parce que je vous le dis, c'est pas prêt de s'arrêter. Ok. Bonsoir. Oui, il en reste. Tant de morts. On leur rendra hommage quand le temps sera venu. Pour l'instant, ok. Nous devons avancer. Petite flèche dans les fesses et c'est terminado, ça me plaît. On prend tout ça, rien à péter. Ok, ça on prend tout ça. L'hommage, tu vois, c'est en fouillant tout ce qu'ils avaient sur eux, rien à foutre. Hein. Ici les gars, je vous le dis, l'équipe est toka. Ça on prend. Comment ça on doit forcer la cache? Voilà. Ouf. Ok, ok. Attends quoi? Qu'est-ce qu'ils savent? Les pièges électriques verticaux peuvent désormais être fabriqués. Ouf. Alors attends, attends. Moi, j'ai vu quelque chose. Incroyable. Comment ça, moins 17? Gain d'attaque silencieuse, ok. Ça résiste en bien plus de choses, hein. Et concentration, mais c'est verrouillé. En vrai, de vrai. En vrai, je vais mettre ça. Et je vais modifier les tissus. Bah non, je ne vais pas modifier les tissus.
Mais je vais installer une bobine. Non ? Attends, comment on fait ? C'est incroyable. Attendez, il se passe beaucoup trop de choses. Bah, y a un emplacement, comment on fait ? C'est pas modifier les tissus. Attendez. Excusez-moi, mais là j'ai oublié quelque chose. Là, il y a un détail que j'ai dû zapper. Ok. Il y a un truc que j'ai dû oublier parce que je ne comprends pas. Augmente les dégâts infligés lors des chutes et des glissades. Non applicable aux arcs. Non mais... What the fuck? Pourquoi je peux pas la modifier? Ok. Ah putain, faut être dans un atelier. Oh là 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 là. On ne devrait pas rester ici. On va avoir du mal à rester au sec. Bonsoir. Ça va par ici, hein? Je voudrais pardonner cette intrusion. Qu'est-ce que c'est? Okay. C'est une sorte de mur de lumière. Il faut... Pas comme toi, Aloy. Allez, venez les bichettes. Venez, suivez-moi, je connais, j'ai fait un creuset. J'ai oublié quelque chose derrière. Oh non. Très bien. Qu'est-ce qu'on a là? On a encore des bails, autant de santé. C'est un boss, hein, j'annonce. C'est littéralement un boss. C'est là où, je le rappelle, les machines allaient. Et vous savez la machine qu'ils appellent Ray là, qui était à terre et qu'on a relevé en lui cassant je sais plus quoi. On dirait une porte de creuset. Ah. 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 C'est une porte de creuset. Pour comprendre ce qui se passe là-dedans, vous allez avoir besoin de ça. Oh, je suis ridicule, putain, je suis mort. Sur ta tempe, comme le mien. Lueur bleue sur la porte. Oui, faut du temps pour s'y habituer. T'en fais pas, Zor. Je t'aiderai. Écoutez-moi. Les machines qu'on a combattues sont différentes. Plus dangereuses. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très puissant, quelque part là-dedans. Et que ça veut nous tuer. Regardez bien ce que je fais. Et ne baissez pas la garde. On va pas y aller tout de suite. Voilà, j'ai pas envie d'y aller tout de suite. On va pas y aller tout de suite. On va tout fouiller quand même. Sur un malentendu, il y a encore des choses à prendre. Oh, creuset numéro 2. Mais attendez, mais le 1 était déjà hardcore en vrai. Hein. C'est-à-dire que là, ça va être encore normalement un peu plus dur. Terrible. Terrible. Qu'est-ce qui est en train de nous arriver? Ok, bon, ça on s'en fiche. Alors, les amis. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve dans le prochain épisode. Nous allons commencer et, si tout va bien, terminer le creuset numéro 2. Bisous tout le monde! Ciao, ciao!